Bonjour frère, bonjour somme, bonjour combattant pour le ciel mon yo. Comment nous y est avec Jésus? Frère, somme, zamim, comment nous y est avec Jésus? Nous sentons-nous bien. Nous le savons parce que nous avons une possibilité pour nous capables d'étudier le son et le sabbat ensemble avec nous. Une leçon n'a quoi encore qui est capable de rafraîchir nos mots et qui est bon pour vous et qui veut que vous avancez. Donc, préparez-vous, prends Bible, prends questionnaire, nous allons l'étudier, nous comptons pour nous saluer toutes les hommes nous, qui pas jamais quitter nos sœurs Monique, nous saluer ensemble avec tout Timonio, puis cette fille nous Abigail, nous saluer. Donc nous saluer toutes les amies, toutes frères, toutes sœurs qui toujours étudient ensemble avec nous. Donc on nous prier pour nous capables d'étudier le second sabbat. Oh mon Dieu, je cherche ta face, aux clartés de l'aube du jour. Je cherche ta paix, ta grâce, le vrai bonheur dans ton amour. Je cherche ta paix, ta grâce, le vrai bonheur dans ton amour. Ô mon Dieu, bénis mes pensées, mes paroles et mes travaux, qu'après mes terrestres journées, en toi je trouve un doux repos. Qu'après mes terrestres journées, en toi je trouve un doux repos. Adorable Père des cieux, merci infiniment parce que permettez-nous là. Dans le salle côté, nous allons étudier le second sabbat. Merci pour notre agréable te permettre de nous passer. Permettre que petites filles ou petits garçons étudient et mettez le son ça en pratique. Nous croyons en vous, nous comptons sur vous. Fais-nous grâce et pardonne-nous de tout ça qui manque au nom de Jésus. Amen. Depuis semaine a commencé, on a étudié une très belle leçon qui c'est leçon 9, vive à vivre avec sagesse. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage, saisissant l'occasion, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Jeudi, c'est mardi. Mardi 22 août. Moi, août là, presque y aller. Petite leçon, c'est réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Est-ce que ça t'avait dit que m'a dormi là, faut pas me réveiller, me lever, me laver, j'ai me capable sortir. Eh bien, qui ça Paul vraiment voulait faire non, ouais, comprendre, non, les dit non, réveille-toi, toi qui dors, les limiter non en garde de sommeil ça que nous-mêmes nous la donne. On nous lit Éphésiens 5, versets 11, 14. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté en lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Pour nous capables de comprendre Éphésiens 11, Éphésiens 5, verset 11-14, nous t'as doué et prendre nous pour nous à comprendre, étudier que Paul lui-même lui proposait nous deux exhortations. Deux exhortations, ça y est. La première, il dit nous. Faut nous capables en tant que chrétiens de mener une vie qui est honorable.
qui capable rendre gloire, qui capable monter grandeur, bon Dieu, en tant qu'enfant de lumière. Vie que moi m'avoir doué capable et mener, faut que son vie petite bon Dieu honoré et honoré nous semblait à petite bon Dieu nous rend gloire à bon Dieu façon que nous a mangé façon que nous a habillé façon que nous a parlé façon que nous a marché faut que nous rend gloire à bon Dieu montrer que nous-mêmes nous sommes enfants de lumière nous y est. Deuxièmement faut nous pas gagner un mode de vie qui immoralement sexu et immoral sexuel qui opposé avec ça bon Dieu lui-même lui mandé en tant que chrétien ça c'est un rappel yon bagay que nous connaissons chaque jour mode de vie que n'a mené en fok li pa immoral fok en tant que chrétien sou marié ou pas mener l'autre vie sexuelle avec l'autre monde non sou pas marié pour pas la go dans relation sexuelle pendant qu'on connaît qu'on pas ta doué avancer avec bagay sop donc faut nous prier et veiller sous tête nous. Nous capables et exhortation que Paul lui-même lui fait nous capables faire parallèle avec Éphésiens 5 verset 8-10 pour nous capables comprendre Éphésiens 5 verset 11. Éphésiens 5 verset 8-10 te dit autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur marchez comme les enfants de lumière. Oui, parce qu'on y a la dit nous, faut nous capables sembler avec petit bon Dieu pour marcher dans la lumière. Parce que autrefois dans la boue péché que nous t'ayons, nous pas dire moi si que nous t'en fait noir. Qu'on y a là, bon Dieu, éclairez nous, ouvrez nous, gênez nous. Donc, nous devons marcher dans la lumière. Petit bon Dieu, doit vivre en tant que et lumière et yo gen lumière bon Dieu dans yo même en tant que petit et enfant de lumière objectif là lui-même les droits pour lui capable montrer clairement qui ça produit petit bon Dieu qui vivent et qui montrer que yo gen lumière bon Dieu dans yo gen Saint-Esprit bon Dieu dans yo éclairé par bon Dieu Paul lui-même lui pas d'accord avec stratégie qui dit et pour que c'est comme si nous dit que faut que nous avons stratégie pour nous capables et gain bonté bon Dieu la caille non en tant que croyants nous exposer toute vie nous pour nous capables marcher comme des enfants de lumière pour nous voyager jeter toute bagaille qui capable faire nous présenter comme des enfants qui marcher dans ténèbres dans fait noir qui pas c'est dit c'est pas leur arriver sous vous dit oh ah bah c'est ton chrétien non faut depuis au ouais oh soit vous choisissez tout dit vous mes pasteurs mes frères là mes soeurs là mais c'est pas oh ah bah sous critique t'es là non faut que vivre mais ou mener une vie de lumière nous devons prendre un langage poétique comme dans verset 13 à lui-même qui te dit non mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Pour nous capables de comprendre ça, dans verset 14 là, Paul fait une affirmation qui paraît chargée d'audace. Il dit que petit bon Dieu, yo doit montrer qui ça le fait que yo c'est enfant de lumière qui fuit sa beauté pour yo capable gagner païen yo avec la foi pour yo capable gagner monde qui pas veut servir bon Dieu yo pour yo capable ramener yo elle dit si yo a bien comporté yo a dit ah gère gen bagay sérieux nan servir bon Dieu moi-même faut me dégager faut me dégager quand nous-mêmes nous pas menon équipe normal moun ki dehors yo capable wè nan comportement nou bagay ki pa normal OK yo capable wè que nous même nous pas camper sou rien et on sa bel la lò pa menon équipe normal c'est moun ki dehors même ki di ka droit baptiste yo rappelé que aussi on sacerdoce royal aussi on nation sainte aussi on peuple acquis
Donc, c'est eux qui rappellent ça qu'il faut connaître ça que vous-même dans ténèbres. Eh bien, Éphésiens 4, Éphésiens 5, verset 14, dit même, il emploie des vocabulaires qui sont associés avec résurrection et la mort de Jésus dans fin de temps. Pour lui capable de sonner à l'âme dans fin, nous connaissons que Jésus lui-même est prêt pour retourner dans fin de temps. Pour nous capables de réveiller nous-mêmes nous qui avons dormi. Ou pas qu'à nos zones, aussi adventistes, ou pas remarque adventiste là sur vous. Ou pas qu'à chrétien, ou pas remarque que vous-même, ou c'est chrétien. Donc, faut que vous révélez tout bagaille ça. Et faut que vous révélez, ou montrez que ou c'est chrétien, ou Jésus a lui-même la vie dans vous. Non, j'ai Esaïe 60, verset 1 à 3. Il dit, lève-toi. Sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, les peaux et peur. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Levez, petite, levez, parce que c'est où qui est lumière. Donc, le songe aujourd'hui a voulu attirer attention moi-même ensemble avec vous, que nous sommes des enfants de lumière. Nous devons comporter, nous devons éclairer. Côté nous passer, nous ne devons pas mettre nous comme monde qui n'en fait noir. Nous ne devons pas, c'est monde qui capable attirer nous, nous-mêmes nous pas attirer vers ça qui bon, vers la parole de Dieu, vers la sainteté de Dieu. Donc, réveille-toi, toi qui dors. C'était leçon ça que nous avons étudié matin. Hein? En tant que chrétien, réveille-toi. Pas quitter comme l'argent, dette. Un problème mondial, faut oublier que Jésus a retourné pour aller prêcher l'évangile, pour éclairer si là-haut qui a besoin. Notre Père des cieux, merci infiniment pour ce qu'il a fait pour nous. Merci pour l'amour, patience, bonté. Tandis que Seigneur, nous là, nous demandons pour capable éclairer nous. Éclairer nous, Seigneur, aider nous, mettre puissance sous nous, afin que côté nous passions capables de briller plus que jamais. Et vous, car nous, et croyons chrétiens. Fais-nous grâce et panier-nous de tout ça qui mal. Gain pitié pour nous au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci à vous-même qui avez étudié avec nous. Que bon Dieu capable d'aider vous. Que bon Dieu permette que vous passiez une agréable journée. Pas oublier, partagez-le avec frère Théodore Ariel. T'es content pour l'étudier ensemble avec vous.